Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Olivier Adam et merci d'être venu jusqu'à Toulouse aujourd'hui à l'invitation donc de la librairie Ombre Blanche et de la médiathèque José Cabanis. Je voulais vous préciser que cette rencontre, vous l'avez peut-être vue à l'entrée, sera suivie d'une projection d'un film, le film donc Le Cœur Régulier, adapté de votre roman Olivier Adam, un film réalisé par Vanja d'Alcantara. En votre présence, vous serez présent à cette projection et la réalisatrice également, un film avec Isabelle Carré dans le rôle principal. Peut-être deux mots du film, puisqu'on va le voir, mais vous l'avez vu déjà ou... Oui, je l'ai vu. Il sort le 30 mars. Hein, Il sort le 30 mars en sortie nationale, un peu plus tard en Belgique, parce que la réalisatrice est belge. C'est son deuxième film. Son premier n'a pas été montré en France, bien qu'il ait été montré dans plein de grands festivals, à Locarno, à Marrakech, il y a même eu des prix, etc. Et c'est une... C'est un drôle de truc, c'est-à-dire que... Moi, quand des réalisateurs s'intéressent à mon travail, je leur dis toujours je m'en fous que vous soyez fidèle à mon livre, je veux que vous soyez fidèle à votre cinéma. Et Vanja d'Alcantara a fait un film qui lui est éminemment personnel, s'est totalement approprié cette matière pour en faire sa démarche de cinéma. Mais le miracle de ce film-là, c'est qu'il est incroyablement fidèle à mon... Pas au livre, mais je dirais... aux images mentales qui ont présidé à l'écriture du livre. C'est une espèce d'épure. Et c'est la première fois, c'est la sixième fois ou septième fois qu'on m'adapte, que j'ai la sensation, en regardant l'écran, de voir directement projeté des visages, des lieux, et même des manières de se mouvoir, des gestes, et même un rythme tout droit sorti de mon cerveau. Donc j'aime beaucoup ce film pour ces raisons-là, parce que c'est une expérience assez étrange d'avoir l'impression que d'un coup, mais... Ouais. Est-ce que vous avez suivi un petit peu l'adaptation? Vous avez participé? Oui, mais alors c'est d'autant plus étonnant que cette fidélité vraiment profonde, j'aimais l'air artistique, parce que j'ai rien fait sur ce film. Voilà. Enfin, j'ai rien fait. J'ai discuté en amont avec la réalisatrice, mais je ne suis pas co-scénariste du film. Voilà. J'ai lu les différentes versions, on a discuté d'un peu toutes les options, du choix de même d'Isabelle Carré, etc. Enfin, qui s'est imposé comme une évidence absolue très vite. Mais voilà, donc moins j'en fais, mieux c'est. Alors vous êtes, en effet, vous l'avez dit, ce n'est pas votre première adaptation, puisque vous publiez aujourd'hui donc La Renverse, voilà, le nouveau roman d'Olivier Adam aux éditions Flammarion. C'est votre 12e livre, j'ai compté pour être sûr, en effet, déjà le 12e, c'est quand même pas mal. Déjà adapté, donc vous avez participé comme scénariste également, puisqu'on était dans le cinéma, on va y rester, à l'écriture de Welcome et Je vais bien, ne t'en fais pas, je crois, votre premier roman, qui avait été réalisé par Philippe Pioret. Les ouvrages Poids léger, Maman est folle ont été adaptés par Jean-Pierre Améris. Vous m'arrêtez hein, s'il y a des erreurs dans ma liste. En 2011, donc, Des vents contraires donc, est porté également à l'écran par Jalil Lesper. Et, voilà, et vous écrivez donc également des ouvrages pour la jeunesse. Hein, vous en avez écrit. Vous publiez régulièrement dans des revues littéraires aussi. Vous animiez, je ne sais pas si c'est toujours le cas, des ateliers d'écriture, Maman Oui, mais ce n'est plus le cas. Mais je l'ai fait à Calais, précisément, au moment de la fermeture du camp de Sangatte. Et c'est pendant 3 ans, 4 ans, et c'est cette expérience, non pas avec les... Je faisais des études d'écriture en lycée professionnel. Donc c'est cette expérience de long terme dans cette ville qui m'a amené à écrire À l'abri de rien, puis le téléfilm Maman est folle, puis Welcome, au sujet d'un drame alors qui était déjà... très fort, mais dont on ne pensait pas qu'il n'en finirait pas de ne pas en finir, qui est celui des migrants coincés à Calais. Donc Le Cœur Régulier nous transportait au Japon, un Japon un petit peu comme une sensation, on pourrait dire. C'était un peu le livre qu'on va voir ce soir, donc adapté au cinéma. Et le tout dernier, l'avant-dernier, c'était Peine perdue, un roman assez choral avec un nombre de personnages très important, puisqu'il y avait plus d'une vingtaine de personnages qui se situaient dans le sud de la France, hein, dans le Var, enfin Côte d'Azur, sud-est, voilà. Et là, vous revenez donc aujourd'hui, si je puis dire, avec La Renverse. Alors peut-être déjà deux mots du titre, on l'apprend. Quand on ouvre le livre, d'abord l'idée du titre, vous l'avez eu rapidement, La Renverse? Oui, très vite, mais ouais. Ça a été longtemps à La Renverse, et de manière plus logique avec le contenu du livre, c'est-à-dire le moment où
les masques tombent et où les turpitudes de vos parents vont faire totalement éclater le modèle familial et où vous en tombez vraiment à la renverse et où tout le monde, tout va le dingue, quoi. Et puis, en fait, je me suis souvenu que quand je vivais à Saint-Malo, je vivais à 200 mètres de la plage et parfois, sur le chemin de la plage, je croisais un voisin qui en revenait, la serviette sur l'épaule, et je l'interrogeais sur l'état de la mer. Et il avait l'habitude de me dire, quand la mer était retirée au loin ou haute, à ce moment précis qui dure environ une heure où le courant devient nul, où elle ne monte plus ni ne descend, dire « bah là, elle est à la renverse ». Je dis, à la renverse. Et nous, on appelait ça l'étal. Hein, voilà. En fait, ils appelaient ça la renverse aussi. Et puis, j'ai regardé dans le dictionnaire, et effectivement, il avait tout à fait raison. C'est le strict synonyme de l'étal. Donc, ce moment à marée basse ou à marée haute, où on est au maximum de retrait ou de proximité de la mer, et où pendant, des fois c'est une demi-heure, des fois c'est une heure, selon les coefficients. Le courant devient nul et plus rien ne bouge. Donc l'idée du titre, après vous l'avez plus lâché. Vous êtes dit, finalement. Parce que ça convient bien. Au-delà du caractère, comment tout à coup tout s'écroule devant nous, que suggère l'idée de la renverse, il y avait quelque chose de plus profond. D'abord la dimension géographique et maritime qui est toujours importante dans mes livres et qui se retrouve dans la localisation même d'une partie de l'intrigue. Et puis cette idée à la fois du mouvement de la vie du narrateur, c'est-à-dire un courant qui l'a emporté loin du rivage, où il reste pendant une parenthèse, qui là dure 10 ans et non pas une heure, jusqu'à ce qu'un autre événement et un travail de mémoire, peut-être, c'est le trajet du livre, lui permettent de regagner son propre rivage, sa propre vie, de reprendre peut-être les rênes d'une vie dont il a été d'une certaine manière expulsé malgré lui. Et puis c'est aussi, je sais pas, pour moi ça avait un lien avec l'idée de la mémoire, quoi. Voilà, l'idée des flots de souvenirs qu'on met à distance et puis qui peu à peu vont réaffluer à l'occasion d'un changement de marée. Alors je me suis posé la question parce qu'il y a une citation de Patrick Modiano en épigraphe du livre que je vais me permettre de citer parce que c'est vrai qu'elle convient parfaitement bien à l'atmosphère du livre. « Je voudrais traduire cette impression que beaucoup d'autres ont ressentie avant moi. Tout défilait en transparence et je ne pouvais pas encore vivre ma vie. » Et j'ai vraiment relevé certains passages, donc Olivier Adam, qui vraiment sont modianesques chez vous. Est-ce que c'est un écrivain, Patrick Modiano, qui compte pour vous, C'est un écrivain, c'est plus très original de le lire, mais que je lis depuis que j'ai 16 ou 17 ans. Je me souviens très bien dans quelles circonstances nous vivions en banlieue parisienne et mon frère allait à la fac et il avait oublié de prendre un livre avec lui. Il est allé au relais de la gare de Juvisy et il a pris un truc qui s'appelait Fleur de ruine à l'époque d'un certain Patrick Modiano, au hasard comme ça, avec des dessins de Pierre Le Tan, et quand il l'a, le soir, et il s'était vraiment emmerdé, mais il me l'a jeté comme ça, il m'a dit, il ne fait que parler de ville, de lieu, de machin, mais toi, ça devrait te plaire. Voilà. Et il a eu raison, parce qu'après après avoir lu ce livre, je me suis précipité à la bibliothèque municipale de Draveil, la ville où j'ai grandi, et j'ai pris Voyage de noces, Villatrice, ça, enfin, tous ces titres que ne connaissait pas Fleur Pellerin, et... Et donc, qu'est-ce que je disais comme bêtise ? Vous avez pris tous les livres. Et c'est devenu totalement fondateur à tel point que quand j'ai fait tout simplement mes études à Paris, on vivait dans une chambre de bonne, etc. J'ai découvert Paris avec cette espèce de vernis modianesque permanent. C'est-à-dire, j'ai rencontré ma compagne à cette époque-là et on vivait tous les deux sous les toits et on se promenait et quand on passait devant les grands immeubles, on imaginait des vies derrière les fenêtres. Enfin, tout était très, très modianesque dans nos têtes. On avait l'impression d'être un peu des jeunes clandestins dans un Paris un peu bizarre, etc. Et donc, ça m'a toujours accompagné et aussi dans mon travail littéraire, cette manière qu'a le présent d'être tout le temps contaminé par le passé, très modianesque s'il en est. Et un tropisme a toujours procédé comme ça par association d'un nom qui nous rappelle quelque chose. Mais là, précisément pour ce livre, ce qui s'est passé précisément, c'est que
Véronique Ovaldé, qui est non seulement une très très bonne écrivaine, mais qui est aussi éditrice chez Seuil, m'a proposé, de, avec la bénédiction du maître, de, d'écrire la préface à la réédition d'un livre de Patrick Modiano qui s'appelle « Remise de peine ». Et alors, là, c'est une parenthèse, mais une des particularités de ce livre, c'est que c'est le seul livre où Patrick Modiano parle de son frère Rudy, qui est mort quand il était jeune, ce qu'on découvre dans un pédigré, et c'est le seul livre où Patrick Modiano dit « mon frère et moi ». Voilà, parce que voilà, on est vraiment dans l'exégèse modianesque, mais ça rend le livre extrêmement émouvant. Mais au-delà de ça, en écrivant cette préface, je me suis rendu compte à quel point l'idée des adolescents ou des jeunes adultes ou des grands enfants orphelins de parents pourtant toujours en vie, laissés pour compte par des parents tellement occupés par eux-mêmes, par leurs propres névroses, par leurs affaires, le trouble, etc., était un thème récurrent, avec cette idée de parents occupés à des choses dont on ne saisit que des bribes, à travers des bouts de conversation téléphonique, derrière des portes closes, ou parce qu'on voit entrer et venir des gens bizarres, etc. Et donc il y avait vraiment... voilà, et m'est venue assez vite l'envie de travailler sur ce thème qui était, et la prise de conscience que c'était chez moi aussi un thème très récurrent. Donc vraiment, ça fait partie des déclencheurs de ces livres-là. Parce qu'au fond, on pourrait résumer ce livre aussi comme ça, c'est-à-dire Antoine, son frère, et de l'autre côté Laetitia, orphelins de parents tellement occupés par la conservation de leur pouvoir, de leur position... qu'ils les en négligent ou oublient, nient, et qu'au fond, ils les maltraitent de cette manière-là. Quoi. Voilà. Alors, vous, autant dans le précédent livre, vous aviez quitté la peine perdue, donc la première personne, là, vous avez écrit un livre à la première personne en disant « je ». Donc, c'est Antoine, vous l'avez évoqué, Antoine, un personnage qu'on trouvait déjà dans le précédent, peine perdue, qui n'est pas le même Antoine, évidemment, et qui donc raconte... L'importance des lieux, on les retrouve ici, hein, puisqu'il y a deux lieux, vous l'avez esquissé, il y a la Bretagne, enfin bon, où Antoine est devenu libraire, il travaille chez un libraire qui s'appelle Jacques, les prénoms sont souvent nommés, et il y a cette ville donc, qui est nommée M, qui est une ville à 100 km de Paris, où s'est déroulée la fameuse affaire qui va ressurgir, on va dire, à un moment donné, de la vie d'Antoine. Pourquoi avoir choisi le jeu d'abord? Pourquoi être revenu au jeu? Vous étiez plus... C'est plutôt ma pente naturelle, hein, parce que, à part Je vais bien, ne t'en fais pas, et Peine perdue, effectivement, mais Peine perdue, c'est un livre assez particulier, parce qu'il y a 23 personnages, et à un moment donné, si vous voulez, l'idée de faire vivre chaque personnage à travers une voix, un rythme, une scansion identifiée, sur 5-6 personnages, c'est jouable. Sur 23, ça devient de la marionnette, quoi, si vous voulez, et ça devient un truc forcé, et puis c'est, du coup, un peu cheap, on n'y croit pas vraiment. Donc, j'ai pris la décision à un moment donné d'écrire tout le livre à la 23e personne. C'est-à-dire d'être. C'est-à-dire que la 23e personne, c'était moi, mais absent, moi, comme le. Comme le narrateur invisible d'une histoire qui met en jeu 23 personnes à qui je donne successivement la parole, dont je me fais le scribe. Voilà. C'était aussi l'idée, pour paraphraser Emmanuel Carrère, de faire un livre sur d'autres vies que la mienne, d'une manière très... avec un d'autres au pluriel très étoffé. Et donc... d'endosser pleinement ma place d'être celui qui parle de ces gens-là. Enfin, ces gens-là, n'ayant pas de connotation particulière, hein, mais enfin, les 23 personnes qui composent ce livre, et de tenter cette place d'observateur empathique des gens décrits. Après, pour celui-là, je ne me suis même pas posé la question, comme ce n'était pas un projet qui posait ces questions, ces problèmes-là de polyphonie, etc. Et très naturellement, j'ai repris la voix. Et puis aussi, pour tout dire, moi, j'ai besoin d'être présent dans mes livres d'une manière ou d'une autre, quand même. De m'y engager. J'en ai besoin à titre de mise en danger de moi-même et d'auto-mise en jeu, mais j'en ai besoin aussi à titre technique. C'est-à-dire que pour comprendre mes propres personnages, il me faut me mettre littéralement à leur place, et singulièrement à la place
du narrateur. Or là, le contexte de départ du livre, la ville de banlieue dans laquelle il se passe l'intrigue, la ville de Bretagne où il vit, les parents qu'il a, la froideur, les non-dits, le côté très désincarné et peu aimant de cette famille, la maison elle-même, l'environnement, l'homme politique qui rayonne sur cette ville et tout ça je connais par cœur. Voilà, c'est pas. Mais au moment où l'histoire se met en branle, qu'est-ce qui se passe quand votre mère, que vous soupçonnez, que toute la ville soupçonne d'être la maîtresse de l'homme politique qui règne sur la ville et qui est par ailleurs une personnalité de premier plan, enfin, sénateur, ou de hein, sénateur, mais aussi ministre délégué ensuite, etc. Bon, déjà, ça, c'est déjà pas quand c'est au vu toute la ville que votre mère est devenue adjointe aux affaires scolaires par cette seule grâce et que ça c'est un peu trop. Bon, dans une petite ville de 30 000 ou 40 000 habitants, c'est déjà pas forcément facile à endosser, surtout quand vous dites que votre père le sait nécessairement et semble s'aveugler là-dessus. Mais alors, quand sur TF1, dans les pages du Monde, de Libération, du Parisien et tout ça, sur RTL, sur Europe 1, on annonce que votre mère, en compagnie de cet homme, est soupçonnée d'avoir, accusée d'avoir abusé sexuellement de deux employés municipales. L'invention devient compliquée. Donc, dans ce cas-là, je fais appel à une chose simple, c'est que je vais chercher mon Antoine, qui est mon personnage fétiche de jeune adulte, qui est mon avatar. Et donc, je prête à cet Antoine, dans une circonstance que je n'ai pas vécue, mais dans un environnement que je connais bien, ma propre sensibilité, ma propension à la fugue, à la fuite, à l'aveuglement, mon incapacité à être présent aux choses, ma fascination pour certaines jeunes filles, etc. Enfin, de l'époque, hein, je précise. Et je raconte l'histoire de son point de vue à lui, en me demandant simplement comment moi j'aurais réagi dans ce contexte-là. Enfin, moi, évidemment, ça ne veut rien dire parce que je n'ai pas vécu dans cette famille-là, mais comment. Voilà. Mais en partant de moi. L'intuition de ce que sont les autres, ça procède quand même toujours, malgré tout, à la base de soi-même. Pour être empathique, pour se mettre à la place des uns des autres, il faut à un moment donné quand même faire appel aussi. Il faut être ouvert vers l'extérieur, totalement une éponge, mais il faut être aussi faire appel à sa propre. Traduire ses propres sentiments dans la langue des autres. Quoi. Vous traduisez vos propres sentiments dans la langue des autres. L'importance quand même des lieux, est-ce que vos personnages préexistent aux lieux ou est-ce que c'est d'abord, vous avez d'abord l'idée des lieux? Parce que les lieux sont importants chez vous quand même. Ça dépend des livres. C'est-à-dire que il y a des livres qui surgissent des lieux, le cœur régulier évidemment, sans le Japon ça n'existe pas, à l'abri de rien, sans Calais et sans Gat et l'Angleterre et les questions des migrants ça n'existe pas, donc souvent quand j'ai le lieu j'ai le livre. Là ça se confond un peu, c'est-à-dire que je n'étais pas spécialement parti pour écrire un livre qui se passe en banlieue parisienne, mais il se trouvait que le contenu même de l'affaire, le genre de ville que je voulais mettre en scène, le genre d'ambiance que je voulais mettre en scène convenait bien à ces villes de semi-banlieue, quoi, c'est-à-dire qui sont quand même un peu trop... où à la fois on continue à aller travailler à Paris en prenant le RER, mais il y en a pour une heure et demie ou une heure et quart, et où, en fait, on est aux confins de la banlieue. C'est la zone 5, quoi, pour ceux qui connaissent la carte de RER. Quoi. Donc on est, et à la limite, en une heure, on est à la grande ville, je sais pas, en l'occurrence, à Rouen. Quoi. Tout est attiré par Paris. Mais et donc ça en fait aussi des villes un peu dortoirs, qui ont aussi des caractéristiques de petites villes de province, que moi, je connais moins bien, même si j'ai vécu longtemps en Bretagne. Mais voilà. Donc après, si vous voulez, on n'échappe pas à ces lieux fondateurs. Donc je ne me suis même pas posé la question. Pour ceux qui ont lu plus qu'un de mes livres, la présence de la banlieue parisienne et des lisières, comme je dis, ou des périphéries, et de la Bretagne de l'autre côté, c'est quand même... De toute façon, bon,
à la base, je pars sur un type d'histoire qui me semble me sortir de mes clous. Donc moi-même, je ne me serais jamais dit d'ailleurs qu'un jour je m'attaquerais à un truc comme ça. Un fait divers, médiatico-sexuel, etc., impliquant du personnel politique, s'inspirant d'affaires dont on a pu entendre parler, tout ça. Mais à l'arrivée, vous avez la banlieue, vous avez la Bretagne, vous avez un pavillon de lotissement, vous avez des falaises, vous avez le père froid, la mère borderline, les deux frères, vous avez la fille magnétique que suit un mec qui s'appelle Antoine. Enfin, bon. On retrouve finalement les. Pour un mec qui voulait, qui voulait sortir de ses clous, je me suis bien pris les pieds dans le tapis. Quoi. Mais c'est inévitable, peut-être. Je crois. Enfin, quand on est forcément, on revient toujours. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je m'engage dans mes livres, enfin, j'essaie de les écrire non pas comme on fabrique comme ça, enfin, j'essaie qu'ils me mettent en jeu profondément, donc ils puissent vraiment à l'intérieur de mon paysage mental, et j'en ai pas non plus un qui fait des kilomètres. Quoi. Enfin, je veux dire, j'écris avec ce que je suis. Voilà. Vous dites vous engagez dans vos livres, mais est-ce qu'on peut parler aussi d'un livre engagé en termes politique, j'ose le mot, puisque, pour aller vite, oui, il y a quand même cette dimension de donner aussi une voix aux sans-grades, aux oubliés un petit peu de l'histoire. Un livre sur la domination, donc voilà. Dès qu'on parle de la domination, c'est politique. Mais j'ai toujours écrit sur la domination, et puis j'ai parfois écrit sur des questions précisément politiques, ou en tout cas qui ont une résonance politique, que ce soit la question des migrants, dont on parlait tout à l'heure, ou même. Dans les lisières, il était question précisément aussi à la fois du sentiment d'abandon et de relégation des zones périphériques, qui est un questionnement démocratique à fort enjeu, puisque je le corrélais à la montée du Front National dans les classes ouvrières et populaires, ce qui a été vérifié à peine quelques mois plus tard, mais qui était déjà, que j'ai pas deviné, qui était déjà en jeu. Donc j'ai toujours travaillé, c'est pourtant que je travaille sur des choses. Un peu politique. On me demande aussi dans Libération souvent de ramener ma fraise sur divers sujets. Là, simplement, c'est la première fois que je mets en jeu des représentants du personnel politique. Mais pour moi, la dimension politique du livre, elle est beaucoup plus dans cette question de la domination et du pouvoir et de l'impunité. Domination masculine, domination économique de ces deux notables sur leurs employés qui sont... leurs sujets, qui sont des femmes, qui sont pauvres, qui sont d'origine immigrée. Domination intrafamiliale, de parents, au fond, maltraitants, que leur veulerie, leur mesquinerie, leur appétit de pouvoir, leur perversité rend maltraitants à l'égard d'enfants qu'ils négligent, qu'ils nient, dont ils ne font aucun cas. Et puis, disons que quand j'ai eu l'idée d'écrire de partir sur cette histoire-là, il me semblait qu'elle réunissait, puisque j'avais prévu de l'écrire du point de vue intrafamilial, elle réunissait à la fois des questionnements familiaux, intimes, psychologiques, et des questionnements collectifs, politiques, démocratiques. Parce que la question de l'impunité ou du sentiment d'impunité, ça a des conséquences démocratiques, puisque quand on en est le témoin, il nous prend un dégoût qui fait que tout à coup, dans la société française, se fait entendre, même si ça ne concerne que 4 ou 5 personnalités politiques, le chant du tous pourris, le réflexe d'aller voir chez des gens qui se racontent, qui se présentent comme plus probes. Etc. Et en même temps, il y a c'est une question démocratique parce qu'il y a une forme de complaisance aussi et d'assentiment à certaines manifestations de cette impunité et de cette domination. Par exemple, tout le fait que des hommes politiques mélangent un peu pouvoir et puissance sexuelle, ça n'a jamais eu l'air de. À part quand ils se font vraiment prendre la main dans le sac, genre Strauss-Kahn, mais je veux dire. Sinon, on ne sait pas pourquoi, ça n'a pas l'air tellement de déranger les gens. Quoi. Ça a l'air même plutôt de les rendre presque plus crédibles. Cette manière de mélanger le charisme politique et l'idée que ce sont des hommes à femmes potentiellement se comportant mal.
ça n'a souvent pas trop l'air de gêner grand monde, sans compter dans d'autres situations, la corruption absolue d'hommes politiques connus, condamnés, multi-condamnés, multi-accusés, et qui sont réélus au premier tour à 60%. Donc les gens, ils consentent. Enfin, je ne sais pas, qu'on pense à Balkany ou des gens comme ça. Oui. Donc c'est pas le cœur du livre. Mais ça fait partie des éléments qui m'ont poussé à écrire le livre en considérant qu'au fond, cette histoire-là, sous ses apparences de faits divers, si on l'écrivait d'une certaine manière, pouvait avoir beaucoup de choses à nous dire. À nous dire de la famille, de l'incommunicabilité, de la domination à l'intérieur de la famille, de la maltraitance psychologique, de la domination masculine. Elle avait beaucoup à nous dire des questions que soulève le viol et l'agression sexuelle. Elle avait beaucoup à nous dire du pouvoir, de l'impunité, du sentiment d'impunité surtout. D'imposture parfois aussi. De l'imposture, parce que l'imposture est pas loin. De la collusion, des dominants entre eux, des premiers réflexes qu'on a tous entendus dans ce genre d'affaires. Il n'y a pas mort d'homme, on ne lui a pas mis un pistolet sous la tempe non plus. Donc vraiment... c'est vrai que, à la fois à l'échelle d'une petite ville et à l'échelle nationale, il y avait sur le versant politique l'idée de faire un peu mon Chabrol, c'est-à-dire de grincer un peu, de montrer, de forcer un peu le regard, hein, presque du côté de la satire, mais une satire sans humour me concernant, une satire sèche. Je ne sais pas si ça existe, mais enfin, si ça n'existe pas, j'essaie de l'inventer. Ou quand même la médiocrité, la veulerie, le pathétique de ce pouvoir médiocre qu'on est prêt à tout pour conserver, les vertiges pathétiques de la notabilité dans une petite ville un peu médiocre, un peu étriquée, et la dégueulasserie des moyens utilisés par les puissants pour s'en sortir quand ils sont accusés par un quidam et en tuant moralement une deuxième fois ce quidam, enfin même, bon, je ne vais pas raconter le livre, enfin, avec des conséquences totalement dramatiques et irréversibles. Voilà, mettre ça en scène aussi. Voilà. Mais on parlait de Modiano tout à l'heure. Alors voilà, j'allais dire, c'est Chabrol mélangé avec Modiano, peut-être, enfin, si je puis dire. Si vous voulez. Il y a vraiment du Modiano aussi. D'abord, il y avait l'idée, vous disiez, donner la parole à ceux qui l'ont jamais. C'est pas comme ça que j'y ai pensé, parce que c'est parti directement de cet adolescent. Mais il y avait aussi cette idée-là qui est venue de se dire, au fond, dans ce genre d'affaires, ceux dont on ne parle pas tant que ça, c'est les plaignantes, parce qu'elles sont vite... voilà, il y a ce double mécanisme de défense. Hein, on appelle au complot. Donc, c'est une petite ville de 30 000 habitants, mais c'est un complot contre Nicolas Sarkozy, président d'alors. Enfin, en gros, hein, voilà. Mais, et les gens le croient. Hein, les journaux abondent. Forcément, oui, c'est un complot contre le président lui-même. On veut faire tomber la République en accusant un maire local d'avoir coincé deux jeunes femmes et leur avoir demandé des faveurs sexuelles. C'était là, bon, OK, mais bon, ça passe. Et puis, évidemment, ces femmes ne sont pas crédibles, ne sont pas fiables. C'est des femmes, hein, donc elles ne sont pas crédibles et pas fiables. C'est déjà un premier élément. Et elles sont pauvres, elles n'ont pas d'éducation, elles n'ont pas d'argent. Donc, nécessairement, alors on va étaler leurs supposées frasques sexuelles, leurs failles psychologiques, les médicaments qu'elles prenaient. Et puis, alors, si des fois, elles ont pu faire une petite tentative de suicide à un moment donné, etc. Et donc, on va déclarer qu'elles sont... que leur témoignage n'est pas fiable, qu'elles ne sont pas crédibles et qu'elles sont sans doute manipulées, on ne prouvera jamais, mais elles sont sans doute manipulées, soit par elles-mêmes par appât du gain, soit par des forces obscures qui veulent nuire aux puissants, même des puissants de Monoprix. Voilà. Donc, alors je ne sais plus ce que je disais, voilà. Voilà, c'est malin. On parlait de Modiano, je vous ai remis sur le. On disait que c'était un mélange de Chabrol. Oui, et Modiano, donc il y avait cette dimension-là. Et en même temps, il y a aussi. Mais en même temps, dès le début, c'était l'idée de raconter ça aussi, mais d'être. Donc voilà, c'est ça. On ne parle pas des plaignantes, ouais. Ou en tout cas incidemment, et on ne parle pas des victimes collatérales dans ce genre d'affaires que sont l'entourage familial immédiat de ces gens-là. Qu'ils soient.
mise en cause à tort et donc ainsi diffamée, mais en tant qu'enfant, frère, oncle, tante, on subit nous-mêmes la honte qui nous tombe dessus et le clouage au pilori, ou qu'il soit coupable, auquel cas il faut arriver à comprendre à quel point on a méconnu nos propres parents. Voilà. Ça, le thème aborde, enfin, le livre aborde aussi ce sujet-là. Ce thème, c'est la méconnaissance, enfin, le mystère des parents, enfin, les questions qu'on ne leur a pas posées. Le narrateur se pose continuellement des questions, parce qu'en plus, il revit la chose 10 ans après, donc il va retourner sur les lieux de son enfance. Et il y a un questionnement global. Il se demande même à un moment si c'est réellement arrivé. Peut-être qu'il a été victime d'une... Et vous l'avez très bien dit, les réactions sont différentes selon le frère, son frère... est beaucoup plus victime que lui, j'ai envie de dire. Il va finir par fuir, bon, il partira sur d'autres contrées. Donc il y a cette dimension aussi du mystère des parents, du questionnement, des choses enfin, qui sont... Oui, il y a la dimension de l'adolescence d'abord, c'est-à-dire que quand la chose se produit, Antoine a 17 ans ou 16 ans, et donc il est dans ce moment de délire narcissique qu'on connaît tous adolescents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de toute façon, la vie se joue ailleurs. Avec les copains et tout ça, et on ne perçoit vraiment fortement que ce qui nous arrive à nous, qui est microscopique, mais on délaisse un peu. Et donc, il, 12 ou 13 ans après, il se demande comment, à cette époque-là, finalement, à la limite, il a pu ne pas subir les choses autant de plein fouet, d'une certaine manière, contrairement à son frère, qui, lui, les prenait vraiment... Et son frère aussi, qui n'avait... quelqu'un au bout des doigts, qui n'a pas de carapace, qui est beaucoup plus friable émotionnellement. Et puis, il est adolescent, et à un moment donné, une fois passé la question de la diffamation possible et la calomnie envers sa mère, une fille, qui est la fille de l'homme politique en question, Laetitia, et qui est un peu dans le même bateau, du coup, lui apporte les preuves... de la culpabilité, de la dégueulasserie de leurs parents respectifs. Et il la croit. Et 12 ans après, il se dit, mais comment ai-je pu accueillir aussi vite, sans le remettre en cause, les preuves de la culpabilité de ma mère, jusqu'à la renier, la fuir, et rompre totalement avec elle, et 12 ans plus tard, ne lui avoir plus jamais adressé la parole, ne même pas savoir si elle est encore en vie. Est-ce que c'est est-ce que je me suis fait embobiner par cette fille magnétique, insaisissable, parce que si elle m'accepte, parce que j'étais prêt à prendre n'importe quelle place auprès d'elle, même l'ombre de son ombre, même l'ombre de son chien, quoi. Voilà, comme disait Brel. Ça, c'est une hypothèse. Il y a une autre hypothèse qui est inconsciente au narrateur elle-même, mais que j'essaie de mettre en scène et que le lecteur, lui, peut se formuler, c'est le poison de la culpabilité et le poison du doute, 12 ans après. C'est-à-dire que dans toutes les situations de maltraitance, il y a culpabilité du maltraité, sentiment de culpabilité du maltraité avec lequel il a une difficulté énorme à se dépêtrer. Il n'y a... Alors c'est vrai dans le cas, par exemple, des agressions sexuelles et des viols, où il y a l'idée inconsciente que, d'une certaine manière, on en est le complice ou le coupable, ce qui est un processus vraiment psychologique, parfois même non formulé, mais qui empêche. Et puis c'est le cas dans le cas, par exemple, d'une maltraitance familiale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux que des mauvais parents pour vous faire sentir de mauvais enfants. Et vice-versa, d'ailleurs. Ouais, c'est un... Donc, là, parfois, même 12 ans après, en ressassant les faits, en essayant de... Il y a toujours ce doute de se dire, mais au fond, si j'avais jugé un peu vite, si ma mère elle-même n'était pas si coupable que ça, si même elle ne s'était pas elle-même laissée entraîner, et si c'est moi qui avais été le monstre, de l'avoir abandonné, de l'avoir renié, d'avoir... voilà. Est-ce que ce n'était pas moi le... C'est elle la mauvaise mère, mais est-ce que c'était pas moi le mauvais fils, quoi, voilà. Et puis vous l'avez très bien dit, c'est cette période de l'adolescence où en effet on est en recherche de sa propre de soi et même de recherche d'autres familles. Il y a des très beaux passages aussi où il va à un moment donné, sans raconter lui, mais oui, parce découvrir que, une famille, oui, où il se sent comme, mais parce comme que différent. Ce qui se passe, c'est que avant même la renverse, avant même la déflagration de l'accusation de viol et d'agression sexuelle et tout ça, cette famille
est comme désincarné, réfrigéré de l'intérieur. Quoi. Et ça existe, des familles comme ça. Et donc, c'est une famille où on ne parle pas, où on ne s'épanche pas, où il n'y a pas de gestes tendres, et où on met cette mesquinerie-là sous le compte de la pudeur. Et c'est une manière de se donner bonne conscience. Ah, mais tu sais, chez nous, on est pudique. Puis on n'a pas eu cette éducation-là, nous, machin. Et donc, bah ouais, bah d'accord, bah n'empêche que le père, il se comporte très froidement et très durement avec ses enfants, et la mère, c'est un espèce de glaçon parfait, mais un glaçon, et les enfants crèvent de manque d'amour, de communication et tout ça. La pudeur à bon dos. Mais c'est ça qui se joue déjà à l'intérieur de, de cette famille-là, plombée par le sérieux, par le concret, par le matériel, par l'absence d'affect et tout ça. Et puis, inévitablement, on l'a tous connu, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Donc, à un moment donné, il y a un copain qui, lui, vit dans la famille opposée. C'est la famille Kinder, quoi. C'est, allez. Donc, hop, il y a toujours 12 personnes à table, il y a de la musique partout. Et puis, autant nous, on est collés devant Patrick Sébastien le soir, autant eux, ils écoutent de la musique classique et du jazz japonais, et que sais-je, et ils voyagent, et ils lisent du roman américain, et ils parlent de cinéma, et le père est à moitié sculpteur, et la mère est à moitié musicienne. Et puis voilà, et puis ils ont des grands châles en patchwork partout, enfin bon, des animaux, des trucs, des plantes, voilà quoi, c'est la famille bobo hippie avant l'heure quoi. Et dans un premier temps, et puis c'est une famille où on se parle, où on se dit je t'aime mon chéri toutes les 15 secondes, où on se prend dans les bras et tout ça, et donc dans un premier temps, c'est un refuge avant même que l'affaire survienne. C'est un refuge parce qu'à un moment donné, ce besoin d'affection, il est englobé dans cette famille. Cette chaleur permanente, il la ressent quand il est chez son meilleur copain, quoi. Et ça va devenir, quand l'affaire survient, d'autant plus un havre de protection parce que évidemment, l'ambiance qui était déjà pas terrible à la maison, là, elle devient terrible parce que le père ferme tous les volets, oblige les enfants à nettoyer les inscriptions d'insultes qu'il y a sur les murs, coupe la DSL, planque la télé, planque la chaîne IFI pour qu'il n'y ait aucune nouvelle du monde qui rentre à l'intérieur. La mère, soit elle est prostrée dans sa salle de bain, à s'abrutir de médicaments, soit elle pète tout, elle pète un plomb, parce qu'elle est voilà, dans la gestion de l'affaire à la fois émotionnelle, puis parce qu'en plus elle est le maire la répudie, enfin bon voilà, enfin donc l'ambiance devient juste terrifiante, encore plus terrifiante quoi. Avec le mystère du père quand même aussi, bah il n'y a pas que lui hein, qui est opaque si je puis dire, c'est que il se pose la question, le Antoine, mais savait-il vraiment quelque chose? Il ne pouvait pas ne pas savoir, et il n'aura jamais un seul mot. Il se rappelle aussi qu'il n'a jamais eu, comme vous l'avez très bien dit, un geste d'amour envers eux, enfin jamais un geste. Ah bah de toute façon, quand ça survient, il leur dit juste, surtout, faites pas d'histoire. Non, rajoutez pas, faites pas d'histoire. Et il y a aucun. Il leur demande même pas d'ailleurs de soutenir la mère. C'est juste en admettant qu'elle soit dans une épreuve d'être calomniée. C'est juste, faites pas chier, restez dans votre coin et c'est tout. Et ces enfants, non seulement ils vont aussi assister parce qu'ils sont tellement niés et négligés, que ce soit Laetitia ou Camille, la fille du maire. Qu'ils vont voir sous leurs yeux leurs parents admettre la réalité des accusations et la dégueulasserie des moyens employés pour être blanchis malgré tout. Ils vont voir cette folie-là sous leurs yeux parce qu'ils sont totalement négligés par ces parents qui sont trop occupés par leur obsession de leur position, de leur pouvoir et de se sortir de ce faux pas qu'ils ont commis et qui sont surtout pas prêts à payer pour ce qu'ils ont fait. Ce qu'il faut pour parler aussi de la construction du livre, qui est intéressante, parce que il y a donc ces deux lieux, hein, donc la Bretagne et cette ville nommée M, qui est donc à une centaine de kilomètres de Paris, hein, c'est mentionné. On pourrait penser que c'est le début de la Normandie, par exemple. Enfin bon, ça pourrait. Oui, bon, vers Mantes-la-Jolie ou un truc comme ça. Quoi, voilà. Et il y a cette construction par rapport au temps, de retour en arrière, mais en même temps avec des questionnements très actuels.
un itinéraire géographique que va faire aussi un mouvement dans l'espace, que va faire Antoine, puisqu'il revient en arrière temporellement, on va dire, et il revient aussi, il retourne sur les lieux de son enfance. Et moi, j'aimerais qu'on dise deux mots peut-être de ces passages sur la Bretagne qui sont importants, parce qu'ils fonctionnent bien en contrepoint, et où là, Antoine apparaît aussi dans sa vraie nature actuelle, qui est son caractère, notamment dans ses rapports avec Chloé, qui est sa compagne, et qui lui reproche un peu d'être toujours fuyant et d'être un petit peu... voilà. Oui, parce qu'il a... Quand il a fui sa famille dans des circonstances que je ne raconterai pas là, et pour laisser un peu deux, trois trucs dans le bouquin quand même, et il a. Bon, il échoue dans une petite ville de Bretagne. Il part avec Laetitia, mais à un moment donné, bon, Laetitia va se barrer, et en gros, il reste là où on l'a posé, en fait. Parce que lui-même n'a pas été le moteur de sa propre fuite. Il a suivi Laetitia, et à un moment donné, elle l'abandonne, et il reste là. Et pendant, finalement, 10 ans, il va être dans cette espèce d'entre-deux de ce que j'appelle une cavale immobile, quoi. Il ne peut pas rentrer chez lui, il refuse de rentrer chez lui. En même temps, il est dans une espèce de déni et d'obturation de sa propre mémoire et des faits et de ce qu'il a fui, tel qu'il ne peut pas vraiment prendre... part à la vie qu'il est, qui est la sienne, et en même temps, ce lieu de bord de mer, ça convient totalement à ça. C'est-à-dire qu'il va se réfugier dans ces choses qui vous emplissent en même temps qu'elles vous absorbent et vous vident, que sont la lecture, et ça peut suffire, quoi, à remplir une vie, de lire des livres. Et puis la mer aussi, ça peut suffire. Alors c'est une espèce de semi-vie qui a toutes les apparences d'une vie parce qu'elle est remplie de ces paysages, de cette présence opaque, silencieuse et dans laquelle on peut se noyer et se perdre, qui est la mer. Et puis il va être recueilli à un moment donné par un libraire qui est le père qu'il n'a jamais eu. Tout le contraire, un type empathique, lettré, ouvert, fraternel. Et c'est tout l'ouverture de livre qui se joue là, dans cette vie qui lui semble lui suffire, à laquelle il prend part sans prendre part, nouant une relation avec une jeune femme qui apprend aux gamins les rudiments de la voile. Et c'est-à-dire que je voulais, dès le début, que cette matière qui est le cœur du livre sordide, ouais. Je voulais l'élever au-dessus d'elle-même. Je voulais l'élever au-dessus d'elle-même par la grâce possible de la phrase « si je réussissais mon coup ». C'est-à-dire, contrairement à d'autres livres que j'ai écrits qui sont dans une voie heurtée, abrupte, physique, rocheuse, je dirais, rocailleuse, là, la figure de ce livre, c'est plutôt un galet. Une matière dure, compacte, mais totalement lissée. Et je voulais cette espèce, en dépit de quelques moments assez crus, mais de cette espèce de rehausser la phrase et le rythme et la langue jusqu'à contredire d'une certaine manière l'aspect totalement glauque et sordide du livre. L'enluminer d'une certaine manière. Et je voulais l'enluminer aussi à l'aide des lieux, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les bords de mer et les paysages bretons agissent aussi comme un espèce de contrepoint. Mais ça, c'est... Il m'est arrivé d'écrire des livres, par exemple, à l'époque Poids Léger, sans jamais offrir de contrepoint, un peu de respiration. Quoi. Comme de la boxe, Poids Léger. Et c'est quelque chose que j'apprends doucement à faire aussi, à moi-même aménager... Des lieux de fuite, d'évasion, et même faire entrer de la lumière. Et parfois, ce n'est pas de la lumière morale, mais c'est de la lumière physique. D'ailleurs, ce livre est étrangement sans doute le livre dont la fin est la plus clairement prometteuse, oui, de tout ce que j'ai pu écrire. C'est vrai. Inattendu en plus. Enfin bon, ouais, voilà. Donc juste oui, par rapport au lieu, oui. La première phrase du livre, j'ai pris le sentier longeant les falaises, quelques fleurs de bruyère résistaient encore parmi les premiers ajoncs et les restes de fougères brûlées par le froid. Je suis resté un moment là-haut, le temps de griller les cigarettes qui me faisaient office de petit déjeuner, de m'emplir les poumons de goudron et d'iode congelé.
Tout était parfaitement figé dans la lumière acidulée du matin. Au loin, un kayak glissait sur les eaux tout à fait lisses d'un bleu tendre de givre, sommé d'îlots où somnolaient des cormorans frigorifiés, luisants et noirs, comme recouverts de pétrole. J'ai regardé l'heure. Jacques était pointilleux sur la question. J'avais beau lui répéter qu'à cette période de l'année, il n'était pas rare que personne ne passe le seuil de la librairie de la journée. Il n'en démordait pas. On ne savait jamais. Il y avait toujours un petit vieux pour se pointer dès l'ouverture. Et il connaissait ce genre d'énergumène. L'œil rivé à la montre est toujours prompt à se plaindre du temps perdu, bien qu'en disposant par camion-benne. J'ai regagné la voiture, mis le contact et poussé le chauffage à fond. La soufflerie couvrait en partie, le son de la radio rendait presque inaudible le murmure des nouvelles du jour. La route longeait des champs, s'échouant dans des flots immobiles, des parcelles brunes et vertes s'interrompant à l'équerre. Puis quelques maisons s'égrenaient avant de se serrer les unes contre les autres autour d'une église et de quelques commerces en une place où convergeaient trois rues en étoiles. La première menait d'un côté, bon je vais m'arrêter, mais c'est juste pour signifier, voilà, il y a cette espèce de pause, incarnée aussi par la librairie, je trouve, par ce rapport avec le libraire, donne de la respiration au livre aussi. Y a pas tellement mieux pour confier ses peines et ses chagrins que les livres et la mer quand même. Hein. C'est... Alors après, bon, je pense que c'est une partie du trajet du livre, c'est que on tient, enfin, le déni et l'obturation volontaire de sa propre mémoire, ça peut marcher un certain temps. Voilà. Mais il y a un moment donné où les choses nous bloquent, nous empêchent et nous rattrapent. Voilà. Et c'est ce qui arrive, Antoine, quand, quelques lignes plus loin, il va juste prendre son paquet de clopes au bar tabac et là, il voit qu'on annonce 10 ans après les faits, auxquels il ne voulait plus penser, ni que rien ne leur rattache, la mort de l'homme politique qui était l'amant de sa mère et le complice de l'affaire. Ce qui va le ramener en arrière et donc après on repartir sur le procès, sur tout ça, sur ce que vous avez très bien... Oui, parce que plus qu'un livre qui raconte cette histoire, c'est un livre qui revient sur une histoire préexistante d'une certaine manière. C'est un livre de mémoire, c'est un livre mental, c'est un livre de questionnement et de tentative de recomposition. D'ailleurs, c'est aussi une réflexion sur la non-fiabilité de la mémoire. Cette manière dont des faits sans doute microscopiques lui semblent prendre toute la place quand il essaie de se souvenir de cette période, et dont des fois des périodes entières de plusieurs mois semblent se réduire en une vague impression, une simple atmosphère ou un sentiment. Et s'en rendre compte, c'est participe à cette remise en question de son comportement. Parce qu'au fond, ce que croit faire le narrateur, dans un premier temps, c'est une forme d'enquête intérieure sur qui était sa mère. Comment il n'a pas pu savoir qu'elle pouvait faire des trucs pareils, qui elle était avant, etc., qui elle était après, comment elle s'est comportée. Et puis finalement, c'est sur lui-même qu'il livre cette enquête, sur comment lui-même... s'est comporté face à tout ça, comment il a réagi, comment il n'a pas réagi, comment il a bien agi, comment il a mal agi aussi, parce que son regret béant, d'une certaine manière, reste d'avoir, pour se sauver lui-même, abandonné son petit frère à lui-même, quoi. Frère Camille, qui est beaucoup plus, en effet, on l'a dit, beaucoup plus fragile que lui, enfin, qui a la coque plus, enfin, vous l'avez dit vous-même. Enfin, plus, oui, voilà, qui d'abord a 3 ans de moins, donc qui a encore moins les armes pour recevoir ça, parce que il s'agit pas juste des problèmes de quelqu'un qui se retrouve à la une des médias dans une affaire, il s'agit d'une affaire qui met en jeu la sexualité, qui met en jeu, il faut quand même déjà la sexualité de ses parents, quand on a 13 ans, c'est déjà chaud, mais alors la sexualité adultère, ça commence à être compliqué, mais alors la sexualité adultère en groupe, par agression et abus sur 2 femmes de votre mère, là la psychanalyse va être longue. Hein. C'est sûr. Je veux vous dire. On va peut-être passer la parole au public, si vous avez des questions, des réflexions sur pour Olivier Adam, à propos de son livre La Renverse, ou peut-être d'autres livres aussi, hein, ou d'autres... Bonsoir. Bonsoir.
Peut-être question un peu brouillonne. Après tout, je suis le premier à me lancer, donc je suis excusable. Comment vous écrivez ? Est-ce que vous partez de façon linéaire ? Bonsoir. Est-ce que vous partez de façon linéaire et vous avancez ? Ou est-ce que c'est des morceaux épars et après, en y revenant, vous reconstituez les choses, je ne sais pas ? Ou après des relectures ? Non, j'écris, je dirais, en deux temps d'abord, mais chronologiquement à l'ordre du livre. Hein. Donc je l'écris dans l'ordre, si je puis dire. Donc le premier temps, c'est que... Il y a deux situations. Il y a la situation où j'ai quelqu'un quelque part, une idée de l'esthétique du livre et un vague thème, et où là, le livre va surgir devant moi, d'une certaine manière, au fur et à mesure que je l'invente. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est comme pour celui-là, je le commence, j'ai déjà tout. C'est-à-dire que je sais, voilà, j'ai le livre en tête, j'ai plus qu'à l'écrire. De cette manière, je l'ai de A à Z, à la fois dans sa forme, dans son fond, dans les péripéties, dans les personnages, dans les zones d'opacité, dans les zones de clarté, enfin, je sais. Mais dans les deux cas, qui dépendent des projets, le premier temps du livre est toujours le même, c'est-à-dire que je suis dans un état second, limite, je sais pas, exalté, bouillonnant, plein d'énergie et en même temps d'épuisement, et j'écris jour, nuit, matin, soir, machin, et je balance tout. Voilà. Dans l'ordre. Et tout, j'accumule cette matière, mais il y a tout, mais il y a trop, et il y a mal. Voilà. Donc je ne me relis même pas, les phrases sont pourries, c'est n'importe quoi. Voilà. Et les personnages arrivent, et les péripéties s'enchaînent, ou non, parce que des fois il ne se passe pas grand-chose dans mes livres, mais bon, quand même. Enfin, voilà. Et donc j'obtiens cette espèce de... C'est comme des rushs, mais voilà, mais des kilomètres de rush, ou comme le bloc de glaise ou de marbre ou de je sais pas quoi dans lequel va être taillée la forme finale vraiment quoi. Et à partir de là, le vrai travail commence. Voilà. Donc c'est pas très élégant, mais la première phase, je l'appelle la phase d'expulsion quoi, disons. Voilà, Et c'est semi-conscient en même temps. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent, j'ai du mal à... Je réponds, mais parfois j'ai du mal à répondre vraiment aux questions. Pourquoi ces lieux-là? Pourquoi ces thèmes-là? Parce que j'ai écrit ça dans une espèce de semi-état étrange. Quoi. Et après, par contre, là, le vrai travail commence, c'est-à-dire d'abord un premier travail de remise au net de tout ça. Bon, parce que des fois, des phrases ne veulent rien dire et tout ça. Et ensuite, travail de composition, d'affermissement de certains passages, de certains personnages, de certains événements, de retranchement, de dégraissage. On retire les échafaudages aussi, parce qu'il y a plein de trucs qu'on écrit pour se rassurer ou pour s'expliquer à soi-même ce qu'on est en train d'écrire. Donc énormément de commentaires, de considérations psychologiques ou émotionnelles, où on explique quatre fois qu'il avait froid, qu'il sentait mal, qu'il était fatigué. Ça va, on a compris, donc on le dit. Bon, tout ce travail-là. Et puis après, c'est chapitre à chapitre vraiment, puis bloc de phrase par bloc de phrase, puis phrase à phrase, puis mot à mot, puis virgule à virgule. Quoi, voilà. Et c'est un espèce de travail itératif comme ça qui va du plus large au plus petit, et au dernier moment on revient au plus large, puisque là on est, à selon les livres, à la 15e, à la 20e, à la 25e version du livre. Donc là, si vous voulez que Antoine apprenne que sa mère a violé des femmes et que son petit frère pleure dans son coin, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Ils peuvent leur arriver n'importe quoi, je ne sens plus rien, ils ne m'intéressent plus, je ne les comprends plus, ils n'existent plus. Donc là, le seul témoin que j'ai que le livre peut aller vers son achèvement, c'est l'enchaînement à mon oreille adéquat des phrases. Le fait que, voilà, que ça coule, que
que ça marche, que, y a pas, que ça accroche pas, que ça accélère quand il faut, que ça ralentit quand il faut, qu'il n'y a pas un mot qui n'est pas à sa place rythmiquement ou d'un point de vue sonore. Ou, voilà. Et quand, je dirais, le lisant à voix haute, quoi, presque, ou à mi-voix, de bout en bout, il m'apparaît qu'il n'y a plus rien qui me heurte, je fais le pari que si la phrase est juste, le sentiment et le personnage le sont aussi. Bon. Et puis je file ça à mon éditrice. Et puis après, voilà. Merci. Je t'en prie. Mais bon, c'est une technique particulière, hein, parce que, par exemple, nous sommes à Toulouse, donc je pourrais citer Jean-Paul Dubois, grand écrivain toulousain s'il en est, qui, lui, a un plan, écrit dans l'ordre, et en fait ne lâche un chapitre le soir que quand il est absolument parfait et n'y retouche jamais. Et une fois qu'il a fait le 1, il passe au 2, il fait le 2, il passe au 3. Mais je connais aussi des gens pas plus loin que chez moi, parce que ma compagne écrit aussi des romans, et elle, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, elle écrit la fin, après elle écrit le début, et puis alors, elle, quand elle bosse, on se croirait à la maternelle. C'est-à-dire, elle a des ciseaux, des feutres, des scotch, et machin, et elle déplace un passage, elle en enlève un, elle leur... Donc elle écrit complètement tout dans le désordre. Ce jour-là, elle sait à peu près les scènes qu'il y aura. Donc du coup, elle se dit, ah, tiens, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de faire la scène de, je sais pas, l'enlèvement. Allez, hop. Puis 10 secondes après, hop, finalement, j'ai envie de faire un flashback. Je ne sais même pas comment elle fait, hein, mais moi, ça serait impossible pour moi. Mais voilà, enfin, donc il y a autant de manières. Il y a des gens qui même savent exactement chaque jour combien ils écrivent, qui calibrent. Leurs chapitres, les chapitres font toujours exactement le même nombre de mots, etc. etc. Il y en a qui ont un plan. Moi, par exemple, je l'écris dans l'ordre, mais je n'ai pas de plan. Voilà. Vous savez où vous allez, vous n'avez pas de plan. Je ne sais pas toujours où je vais. Mais, là, vous saviez, mais parfois, c'est un bordel, par exemple. Par exemple, les vents contraires. J'ai ce narrateur qui se retrouve en Bretagne, machin, il rencontre tous ses voisins, il leur donne tous un coup de main, et à un moment donné, je me retrouve avec 5 ou 6 intrigues, même si j'ai qu'un narrateur, sur les bras. La sienne, celle du déménageur, celle de la voisine qui se soucie, celle de la gamine qui a disparu. Bah, je vais vous dire qu'à un moment donné, l'état de transcendance et d'exaltation, il se heurte à un truc, c'est que là, je ne sais pas ce que je vais en foutre, moi, de tous ces gens. Voyez. Et alors là, par exemple, bah, j'ai écrit à l'abri de rien en attendant. Quoi, voyez. Et puis après, un an et demi après, j'ai rouvert le truc et j'ai repris tout mon bordel avec mes 12 personnages qui étaient au milieu de nulle part et que je ne savais pas comment j'allais les retricoter. Et puis là, évidemment, le temps étant toujours de bons conseils, j'ai tout de suite vu. Mais bon, parfois, y a des, à force de ne pas toujours savoir où je vais, il y a des moments où je ne sais plus du tout et où je suis. Mais peine perdue, c'est pareil. Hein, quand je... J'étais obsédé par l'idée de 22 parce que c'est 2 fois 11, c'est l'équipe de foot, ça commence par le foot, tout ça. Bon, c'est un peu bidon comme idée, mais il fallait bien déterminer un chiffre à un moment donné parce que sinon je pouvais en faire 50. Quoi. Puis aussi, comme je voulais que ça soit une ronde et chorale, je voulais un peu impressionner. Enfin, je voulais que ce soit un peu. Voilà, un roman choral à 6 personnages, ouais, bon. 23, 22, je trouvais que ça commençait à avoir de la gueule quoi, dans le genre roman choral. Mais au 15e. Parce que comme il fallait suivre à la fois l'intrigue principale, mais l'intrigue de chacun, et les relier tous, c'est un peu le même phénomène que les vents contraires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais tous les fils ouverts. Et à un moment donné, il faut un minimum aller vers le nœud final. Quoi. Voilà. Donc parfois, on est dans des... C'est pour ça que je disais les livres que j'ai à l'avance, ou parfois... Ce qui me survient d'un livre, c'est l'image finale. Je prends l'exemple d'À l'abri de rien, par exemple. La scène, une scène que j'avais en tête, comme ça, d'une femme qui arrive dans la jungle des migrants. Enfin, à l'époque, c'était pas autant la jungle. Ça répondait pas à la même spécificité géographique, mais enfin, en tout cas, et qui, au-delà même de son travail associatif et tout ça, arrive avec des sacs de vêtements, de bouffe, leur donne tout, et qui se fait comme dans un cauchemar, qui finit par se faire agripper, et où ça pète un peu les plombs, quoi. Et cette image première, tout le trajet, toute l'écriture du livre a été de répondre à la question, qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle fait là, et comment elle en arrive là. Mais, donc j'ai quand même la direction... Après, je la remets dans sa cuisine.
je commence comme ça, si je me souviens bien. Elle s'emmerde un peu, elle regarde par la fenêtre. Puis donc déjà, je me dis, bon, alors comment déjà elle va rentrer avec ce monde? Parce qu'elle est comme chacun de nous, quoi. Elle voit bien qu'il y a des migrants dans la rue et tout ça, mais c'est pas sa vie, c'est pas son quotidien, quoi. Elle n'est pas engagée, elle n'est pas... Déjà, comment... voilà. Et donc, le livre va s'écrire comme ça. Parce que déjà, elle n'a pas vu qu'elle était en retard pour aller chercher son gamin au tennis. Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver en panne, en bagnole, et puis qu'un migrant va l'aider, qu'elle va le ramener, et puis après, voilà, tout va s'enchaîner jusqu'à la fin du livre. Mais dans un cas comme ça, comme j'ai la direction finale, je dirais qu'il y a peu de chances que je me retrouve longtemps en déshérence au milieu du gué, quoi. Ce qui est plus le cas quand le livre survient d'une situation de départ. Voilà. Bah, celui qui était le plus brûlant, entre guillemets, c'était Les Lisières, parce que c'est un texte où j'ai poussé un peu loin la confusion entre un personnage créé et ma propre personne, et où il m'a fallu, l'écrire. Je m'étais souvenu de cette phrase d'Annie Ernaux qui disait il faudrait écrire les livres comme si on allait être mort à leur parution, en n'ayant de compte à rendre sur rien ni à personne. Et donc en n'ayant d'égard pour rien ni personne, et d'ailleurs pour soi-même non plus. Bon, c'était une phrase qui m'a guidé, qui a fait que j'ai écrit ce livre-là. Simplement, le truc, c'est qu'après, quand le livre sort, bah, c'est faux. Hein. On est vivant et l'entourage est vivant. Et là, c'est la double peine, quoi. Vous avez pour longtemps avant de vous remettre, parce que vous, d'abord, vous êtes mis à nu d'une manière qui fait qu'après, bah, c'est toujours pareil. Une fois que vous êtes à poil et vous sortez dans la rue, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Vous avez, c'est un sentiment étrange. Et puis ensuite, vous avez mis à jour et balancé des trucs très personnels à l'encontre d'autres gens, et mis d'ailleurs d'autres gens en jeu qui eux-mêmes se retrouvent à poil dans la rue et en plus découvrant ce que leur fils pense d'eux. Enfin voilà, donc c'était mais je pense que les livres dans lesquels on se met en danger à titre personnel sans filtre sont des livres nécessairement marquants pour l'auteur d'une manière différente. Mais après, il y a des fictions qui m'ont marqué énormément. On parlait d'À l'abri de rien et des migrants et tout ça. L'enchaînement d'À l'abri de rien, puis de Welcome, puis de toute la polémique qu'il y a eu, etc. Ça a été qu'un livre que j'ai commencé à écrire dans une chambre d'hôtel parce que je faisais des ateliers d'écriture à Calais finisse par des débats à l'Assemblée nationale par divers péripéties. C'était un drôle de truc, quoi. Il y a quand même un amendement qui s'appelle l'amendement Welcome, qui abroge le délit de solidarité. Donc voilà. Donc ça fait ça aussi, c'est des choses un peu marquantes. Il y a un micro. Oui. Isabelle Carré. Isabelle Carré, pour, oui. Pour le, oui. Dans Maman est folle, qui jouait. Oui, parce qu'en fait, ce soir, donc, le cœur est... Oui, merci. D'accord. Oui, ouais, je parlais d'Isabelle Carré dans Maman est folle. Ouais. Mais Isabelle Carré, ça fait... Donc là, avec le film qui sort le 30 mars, ça sera la troisième fois qu'elle incarne des personnages qui sortent de mes livres. Donc c'est un compagnonnage étonnant, mais... Il semblerait qu'avec évidence, les réalisateurs, quand ils visualisent mes personnages féminins, immédiatement pensent à Isabelle Carré. Après, moi, il m'arrive de leur faciliter la tâche, parce que par exemple, dans Les Lisières, elle est citée. À un moment donné, il y a un type de regard que j'arrive pas tellement à caractériser. Et donc, du coup, j'explique que c'est celui d'Isabelle Carré. Ça leur a mis la puce à l'oreille. Ah, ils se sont dit. Bien sûr. C'est sûr. D'autres questions, d'autres remarques, réflexions sur pour Olivier Adam. Oui. Attendez, il y a le micro parce que sinon on va pas vous entendre. Merci. Bonsoir.
dans ce livre, en fait, il y a pas mal de prénoms, sauf les prénoms des parents, de la tante. Donc, je voulais savoir si c'était... parce qu'effectivement, peut-être que donner des prénoms à ses parents, c'est compliqué. Vous parlez de dans la renverse ? Oui. Elle s'appelle Cécile, la mère, c'est dit. Cécile Brunet. Voilà. Mais... sinon, c'est vrai que le père n'a pas de prénom, mais alors là, oui, bon, vous me posez une colle. Une colle. Oui, mais c'est parce que c'est papa, maman, on appelle rarement. Ah, oui, bon. Mais je pense qu'il y a sans doute vrai, aussi une manière de les condamner, de les nier, même inconsciemment, hein, pour moi, et les fuir aussi dans l'écriture elle-même, d'induire. Mais oui, ça, j'avais pas noté plus que ça. C'est vrai que, oui, je crois que le nom en entier de la mère revient une ou deux fois, mais plus par les médias, etc. Mais lui, peu souvent cité, c'est vrai que oui, la mère. Non, c'est vrai. Oui. Et pourquoi, parce qu'on est dans les. J'ai une question aussi. Pourquoi avoir donc nommé les deux victimes dans l'affaire, Lydie S et Célia B, avoir mis que les initiales? Bon, question peut-être bête, mais que je vous pose aussi. Non, mais parce que dans une affaire comparable, quand j'ai retrouvé avec beaucoup de difficultés d'ailleurs les coupures et même les comptes rendus d'audience et d'expertise, etc. Les noms de famille étaient laissés à une lettre, alors que les accusés, étrangement, eux étaient nommés sous leur nom entier. Et voilà. Alors, c'est une manière à la fois de respecter quelque chose, mais comme s'il pouvait être infamant d'être accusé de viol, si vous voulez. Et ça m'a interrogé, parce que la presse elle-même, à l'époque, parlait de... c'est pas ces prénoms-là, mais... avec le M ou B ou F, quoi, ne donnait pas le nom entier. Et donc ça me semblait un micro-signe dans cette espèce d'assentiment, de complaisance à la négation de ces femmes... qui sont foulés aux pieds, niés, et symboliquement déshumanisés ou physiquement déshumanisés à plusieurs reprises dans le livre. Oui, j'avais une question. Je pense au livre Falaise et je me demandais dans quelle mesure vous arriviez à dépeindre des personnages en impliquant une réalité peut-être autobiographique de votre entourage, votre mère, votre tante, vos enfants, etc. Et comment vous arrivez à ce que ça n'ait pas de répercussion au sein même de votre vie familiale ? Non, c'est une question un peu piège. Non, non, mais j'y arrive pas. J'ai été très interpellée par la façon dont vous avez dépeint notamment cette mère dépressive et borderline dans Falaise. Et je me suis bien posé la question de savoir comment vous arriviez à suffisamment inventer vos personnages tout en y investissant sans doute une vraie connaissance de la psychologie des gens et la psychologie de ceux qui vous entourent et dans quelle mesure ils s'y retrouvent ou vous arrivez à suffisamment inventer. Voilà. Oui, mais la question, elle n'est pas de la dose d'invention et de... Concernant la réception, elle n'est pas liée à la dose d'invention ou d'appel à la vérité qu'il y a dans le livre. Parce que l'entourage, quand vous dites la vérité, il dit « Mais pourquoi tu racontes ça ?» à tout le monde. Et quand vous montez, vous dites, mais pourquoi tu mens ? Pourquoi tu inventes qu'on est comme ça ou qu'on a fait ça ? Donc vous en sortez jamais. Jamais, jamais. Et alors, si vous voulez, il y a des livres où le maquillage de l'emballage fait que des choses très intimes qui font appel à,
Vous mobilisez une matière à la fois autobiographique, personnelle et à la fois empruntée à des amis, à vos parents, à tout ça. Elle est un peu éloignée et elle est tellement maquillée que personne ne fait trop gaffe. Alors que parfois, ça me fait un peu rire parce que... Bon, voilà. Mais c'est vrai que comme il y a toute une série de mes livres qui jouent très consciemment avec l'idée de l'effet d'autobiographie, ce ne sont pas des autobiographies, mais je fais tout pour qu'ils produisent un effet que ne font selon moi... de la même manière qu'il y a un effet dément du grand romanesque, des page-turner et tout ça, il y a aussi un effet d'interpellation personnelle et de miroir face à certains grands livres d'obédience autobiographique, qu'ils soient purement autobiographiques ou autofictionnels. Tout ça. Il y a parfois un effet de vérité et de qui est irremplaçable aussi. Je sais pas, je pense à certains livres d'Emmanuel Carrère, aux certains livres d'Annie Arnaud ou au Delphine de Vigan, Rennes s'oppose à la nuit, ou au Chagrin de Lionel Duroy, ou des choses comme ça, ou d'un coup, je sais pas, en tout cas moi ça me fait cet effet là et donc j'essaye moi-même de le recréer. Mais pour le recréer, même si je suis, moi, contrairement à eux, je suis très roublard et donc je ménage mes effets, mais il n'empêche que je mélange allègrement jusqu'à parfois moi-même ne plus m'y retrouver des choses inventées et des choses absolument tirées de ma personne et de mon entourage. Ces livres-là... je ne sais pas répondre à la question comment tu peux nous faire ça. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que je suis prêt à le faire pour écrire un livre. Voilà. Mais parce que, pas pour écrire un livre pour qu'il soit en librairie, que les gens l'achètent et que ça gagnisse mon compte en banque. Hein. Pour écrire un livre parce que ce livre va me sauver d'une certaine manière. Alors j'avoue que je suis prêt à blesser des gens pour moi-même me sauver en écrivant. Mais c'est compliqué. Voilà. Je pense que la cartographie de mes relations avec ma famille, la plus proche, je parle pas de ma compagne, de mes enfants, parce que ça tout va bien, mais suit clairement... crise et accalmie en fonction du type de livre que je peux lire. Là, en ce moment, c'est pas top. Quoi. dernière question, avant que Diane ne dédicace son livre. Oui. De la frontière. Je sais pas, j'ai toujours l'impression que l'idée de la périphérie m'a toujours... c'est pas qu'un lieu, c'est comme si cette géographie-là... l'idée aussi de l'entre-deux social, c'est mes parents, c'est les parents de mes parents qui étaient des prolétaires. Mes parents, c'était les classes moyennes. Et puis après... quand je me suis retrouvé propulsé dans le milieu littéraire ou les études que j'ai faites, j'ai été face à la grande bourgeoisie. Et donc c'était aussi un entre-deux. Et ça m'a toujours paru quelque chose de fondateur dans ma propre disposition à être moi-même toujours entre-deux, entre deux chaises, entre deux identités, entre deux classes sociales, entre deux adresses, entre deux lieux, que je n'arrive jamais à résoudre, hein, parce que là, je suis revenu vivre à Paris, mais enfin, je vais dire, je voudrais retourner en Bretagne. j'ai toujours vécu à des angles de rue. Mais c'est marrant. Toutes mes adresses sont à l'angle de deux rues. Encore aujourd'hui, hein, il n'y en a pas une maison qui échappe à ça. Je vois, c'est un hasard, hein, mais c'est une espèce de... j'appartiens toujours à deux rues, à deux endroits. Mais... être là et pas là, être globalement spectateur et un peu partie prenante de sa propre vie, du monde dans lequel on vit et tout ça,
ce pas de cette espèce de figure des échecs que Virginia Woolf appelait la marche du cavalier, enfin qui s'appelle la marche du cavalier, mais qu'elle a théorisé par la littérature. Pour la littérature, ça me semble être une position féconde pour l'écriture. Voilà. C'est ce qui permet de saisir les choses derrière les choses. C'est ce qui permet de vivre et de prendre part aux choses, mais en même temps d'être très légèrement en retrait et peut-être d'en capter quelque chose de caché ou de non-dit ou qu'il y a, selon moi, à rectifier. Donc ça me... Et puis j'aime bien l'idée qu'on est fractionné, multiple, qu'on abrite plusieurs personnes en même temps à l'intérieur de soi, que les identités ne sont pas figées, qu'elles ne sont pas nettes. Dans une période où on nous saoule avec l'identité, c'est aussi cet entre-deux permanent, cette indécision-là, elle est militante aussi. Et d'ailleurs, plusieurs de mes livres, ces temps-ci, ont un trajet constant qui est d'abord de vivre comme une souffrance de ne se sentir aucune identité figée, de n'appartenir à aucun endroit réellement, à aucun lieu, à aucune classe sociale, etc. Et au final, de le concevoir au contraire, au terme d'un certain trajet, comme une chance, comme une libération, comme une... voilà, assumer de dire merde aux racines, aux particularismes nationaux, régionaux, sociaux, etc. Et être libre de s'inventer multiple, quoi, à l'intérieur de soi. Oui. Oui, être ses propres racines. Voilà, on va en rester là parce qu'après, il faut vous permettre d'y aller à la dédicace. Et vous remercie beaucoup, Olivier Adam, pour merci la renverse aux éditions Flammarion. Et le film à 20h30, donc le cœur régulier au cinéma ABC. Merci.